reçu par l'équipe de Culture Média, sur Europe 1, ce jeudi 23 mars, Julien Vignali n'a pas échappé à une question sur son acolyte Thomas Otto, avec qui elle serait en bisbille. La co-animatrice de Télématin a répondu franchement à cette rumeur. Il a allumé la mèche, et tout s'est embrasé autour de lui. En mettant en doute son avenir à la présentation de Télématin, Thomas Otto a attisé les rumeurs sur de possibles tensions avec sa complice des réveils matinaux, Julien Vignali. Le journaliste, épuisé par un exercice physique, avait évoqué sur RTL ses autres projets et envies, qui pourraient avoir un impact sur son envie de revenir pour une troisième saison. Une semaine plus tard, l'ancien joker de Laurent Delahousse avait pris congé du programme, sans que son acolyte justifie cette absence par une quelconque raison. Un étrange silence qui intervenait après des révélations de la part de proches qui évoquaient dans les colonnes du Parisien son caractère exigeant, cassant, pouvant amener des accrochages avec Julien Vignali. Je m'entends très bien avec Thomas Otto. Cette dernière a profité d'une invitation d'Europe 1, ce jeudi 23 mars, pour éteindre ce début d'incendie. Au micro de Culture Média, la compagne de Kad Merad a assuré que tout allait bien avec son binôme. Moi je m'entends très bien avec Thomas Otto. Franchement, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec lui, a-t-elle indiqué, avant d'effectuer un parallèle avec l'autre tandem qu'elle forme chaque matin avec Mélanie Gomez dans Bien fait pour vous. Vous parliez de co-présentation avec Mélanie, si est-il vrai que nous vivons un petit rêve éveillé Mélanie et moi. Et avec Thomas Otto ce sont des petits matins enchantés. Franchement, si est-il dingue que cette rumeur ait pris cette ampleur, déplore-t-elle, souhaitant mettre un terme définitif à ses supputations. De quoi repartir sur de bonnes bases et de réveiller les Français avec la banane.